ça faisait 4-5 heures qu'on n'avait pas réussi à faire un poisson. Et là, sur la dernière demi-heure avant qu'on parte, j'ai mis leurre blanc au hasard, du Ketec Easy Shiner. Vraiment au hasard, un leurre qu'on n'a pas vraiment testé aujourd'hui, on l'avait mis un peu ce matin, sans grand résultat. Et là, une demi-heure avant de la fin, je fais une dérive avec 4 poissons, dont que des corrects, dont une très jolie. De changer de l'heure, de changer de l'heure. Oui. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est pas ça la pêche. On prend pas des moments où on se faisait des quilles, mais là. C'est fini. Ils y sont, les poissons, on est passé dessus, hein. On les a vus là. Pas d'étape dans la canne. Des touches où il vient te soulever le leurre, il te soulage le leurre. Ouais, peut-être qu'ils sont plus actifs, faut passer sur du slug ou des finesses. Il y a une journée qu'on avait fait ensemble, ils voulaient rien d'autre que des finesses, je sais pas si tu te rappelles. J'avais fait une vidéo d'ailleurs. Poisson. Là, t'as pas eu de touche. Non. Je continue ou... Bon, oui, oui. T'arrêtes pas. Non, là, j'ai pas eu de touche. Oh non. Je suis même pas sûr. Bon, ouais, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins actifs. Hein. T'as vu les touches, hein? Ouais. C'est moi, c'est la deuxième ou la troisième où je prends. Je repose sur le fond et... J'en sais rien. Du coup, c'était du plomb ou pas la plaque que je t'ai donnée? T'as essayé de... Je sais pas, je... Là, oui. Je prends l'épisode, c'est plus correct, Bertrand. C'est pas gros, mais... Il m'a défoncé le bras, Bertrand. Tu dormais. J'ai cru que tu passais par-dessus moi. Tu veux prendre l'épisode pour ça? Eh oh. T'en as fait un comme ça dans la journée, toi? Oui. Je crois pas. Il m'a désingué le bras. Il est vénère. Ouais. Le doigt, maintenant. Et je risque pas de le décrocher, on voit même plus l'heure. Moi, on va partir et t'avais trouvé le bol l'heure. Regarde. Pourquoi tu peux faire la photo? C'est dommage, hein. C'est fou, hein. Là. Oui. Ah, il est pas monstrueux. Il m'a foutu une... boîte, pas possible. Voilà. Bon. Fais gaffe au nœud parce que t'as tapé le 6 ou le 20. Ouais, parce que je voulais voir. Et là, t'as trouvé le bon truc, hein, parce que t'as fait 2 poissons sur cette espèce de leurre bleue. Je sais pas, mais il m'a désingué le poignet, Bertrand. J'ai cru que c'était 70, ce truc. Tu passais par-dessus, bon. Quand même. Il manquait pas grand chose. Mais il l'avait. Ah oui, il manque pas la chance, tu me passes une capirole. Putain, le salaud qui fait du bien celui-là. Ah ouais, putain. On n'avait pas dit qu'on y allait. Hein. Si. Tu veux que je t'en remontre un, c'est ça? T'en as pas vu assez. Tu vois, t'as mis un bon carreau. Ah oui, oui.
mais tu vois, il nous s'entête à pêcher des fois avec un truc. Et au chat, je crois. Oui, mais ça marche toujours à Leblanc, il dit Seigneur, valeur sûre en Espagne, je pêchais qu'à ça et au Chartreux. Je crois que j'ai plus. Qu'ils sont repris comme ça, parce qu'ils saignaient sur le côté. Poisson. Poisson. Costonome, mais énervé quoi. Bon, tu... je pense que tu peux foutre un coup d'épuisette aussi, regarde. Rien que le... Si haut, oh, Bertrand. Il est plus sérieux là déjà. Regarde. Il y a Kylian. Mais il est lourd, hein. Ah oui, il est lourd. Celui-là, il est lourd. C'est bon. Ah non, c'est ça. Et alors il est là, oui. Quand même, voilà un beau. Là, on peut partir. Ouais, plus joli, celui-là. Ça, c'est un joli poisson. 60, celui-là, facile. Ouais, tu veux y mettre toute la règle ? Non. T'as vu le kettle là, t'as rien ? Oui, oui. T'as vu la différence, ça ? Je suis content. Non, mais t'as vu la différence ? Oui, oui, non, mais... Non, non, mais il est bien. Là, j'ai senti qu'il y avait plus sérieux, quand même. Au début, ça montait, puis d'un coup... Oui. Ça sondait un peu. Comment une course différente, hein. Parce que moi je prends pas une étape. Rien. Et on est passé avec les 58, tout ça, on prenait que des touches de puissance. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu changes le leurre, c'est plus pareil. C'est impressionnant, hein. On repasse. Hein. On repasse. Tiens. Allez, à ton tour. Voilà. Tu vois ? Je te l'ai dit. Les carreaux. Il est joli ? Il est correct. C'est de mal. C'est bon. Je vais le dropper, je vais le dropper. On sent correct, hein, Maillet ? Ah ouais. Bon. Va falloir reculer. Donc la morale, c'est que mais n'hésitez pas à changer de leurre si vous trouvez la pêche que vous voyez que ça donne plus au bout d'un moment. N'hésitez pas à changer, ça change vraiment les conditions dans la journée. Et là on a perdu 4 heures à s'entêter à pêcher avec du leurre marron comme la vidéo la semaine dernière, alors que finalement ben, c'est le leurre blanc qui aura fait qui réussi à nous finir notre pêche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, ciao.